Alors bonjour à tous, adhérentes et adhérents de Saint-Pierre-de-Chandieu. Je suis heureux de vous retrouver à travers cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien, vous et vos proches, dans ce contexte un peu difficile. Voilà, troisième semaine sans tennis, de confinement, sans sport, sans physique. C'est difficile, j'en suis bien conscient. Et c'est pour ça qu'avec le bureau, on voulait vous proposer à travers cette vidéo des petits exercices pour tous les niveaux, vous permettre voilà, de garder un, pour aussi garder contact. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas aussi justement à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Pour les ados et les adultes, je vais garder un fil conducteur qui sera le Tabata. Et pour les enfants, je vais proposer divers exercices. Donc vous verrez, j'ai proposé aujourd'hui, donc il y a le zigzag, il y a l'étoile. Et j'ai proposé un petit challenge commun voilà, à tous. Et aussi, pour les adultes, en plus du Tabata, j'ai proposé un dernier exercice un peu plus costaud, si vous avez envie de vous faire du mal ou du bien, tout dépend comment on voit les choses. Bon voilà, sachez que vous me manquez, j'ai hâte de vous retrouver sur les terrains, j'espère que ce sera le plus tôt possible et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous présente du coup le Tabata. Le Tabata facilement trouvable donc, sur Spotify, YouTube, Deezer. On tape Tabata Sound, on a directement plein de musiques possibles. Des musiques qui durent 4 minutes, c'est assez court et ça peut être très intense. On va faire en fait des séries, donc on va faire 8 répétitions. Avec 20 secondes d'effort et 10 secondes de récupération. Et moi, ce que j'aimerais que vous fassiez pour la première semaine, c'est qu'on alterne en fait un exercice de la ceinture abdominale et un exercice soit du haut ou du bas du corps, ça c'est vous qui voyez. Je vais faire une petite démonstration pour être sûr que ce soit bien compris. Donc, je démarre du coup la musique du Tabata que j'ai trouvé sur YouTube. Et c'est parti pour 20 secondes d'effort, puis après 10 de récup. Donc, je vais commencer les 20 secondes d'effort par les pompes. Allez. Secondes de récup, là je vais alterner du coup avec les abdos. Bon, je vais le faire en statique. 3, 2, 1, go. Donc là je pars à nouveau sur 20 secondes en statique, 10 secondes de récup et après je vais alterner sur un exercice, pourquoi pas du bas du corps vu que j'ai fait le haut du corps juste avant. Ok, 10 secondes de récupération, j'alterne du coup comme je vous ai dit tout à l'heure l'exercice du coup du bas du corps, puis à nouveau après à nouveau les abdos. Du corps, attention. Et avec le sourire, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Normalement, si vous avez bien compris, là je dois alterner par un exercice du coup abdominal. Alors, okay. Je vous présente du coup les différents exercices qu'on peut faire sur le Tabata. Je vais vous présenter donc du coup les 8 premiers exercices, 4 en statique, 4 en dynamique, centrés sur les abdominaux. Je vais d'abord vous montrer les statiques. On va faire du classique. Donc, hop, première position. La classique ici. Alors ce que je vais éviter de voir à tout prix, c'est ce genre de choses où le dos courbé, là on essaie quand même d'être voilà, gainé un minimum, le dos droit, c'est super important. On n'est pas trop sur l'avant ni trop sur l'arrière. On essaie d'être bien positionné, c'est super important. Ensuite, on a la deuxième et la troisième position, c'est les deux mêmes. Sauf qu'on a les deux côtés, donc je le fais que sur un. Là, j'essaie du bras et carrément lever la jambe pour complexifier un peu la chose. Ok. Donc il y a la même chose de l'autre côté pour la troisième position. Et enfin la dernière. Hop. On se met du coup de ce côté-là. J'espère que les 4 sont comprises. Normalement, ça devrait être simple. Je vous maintenant les 4 postures en dynamique. Donc, première position, hop. On va essayer d'avoir 90 degrés entre les jambes. Là, ici, on va poser les omoplates par terre. Une fois que les omoplates sont posées, on les décolle légèrement. Et là, je vais venir toucher mes talons avec mes mains. Donc, on travaille les obliques en dynamique. Ensuite, la deuxième position, on va faire un peu de rameur. Donc là, on va lever légèrement les jambes, c'est un peu difficile. On descend, on relève. Donc on peut descendre un peu plus quand même. Là, on relève. Deuxième position en dynamique. Ok. La troisième. Alors, on vient sur les mains. Pareil, on est gainé, on n'a pas le dos à l'intérieur, ni les fesses trop relevées, on est gainé. Et on vient hop, se mettre sur les coudes, puis à nouveau se relever. On peut faire ça du coup des deux côtés. Là, j'ai fait deux fois du même. Là, je vais changer un peu. Hop, je descends. Et je remonte. Ok, pour la troisième position. Puis enfin la dernière. Mountain Climber, toujours dans cette position. Et je viens ramener les joues. Je peux les ramener un peu vers l'intérieur. Hop, en essayant d'être un peu dynamique. Ok. Très bien. Sur le Tabata, je vais vous proposer du coup maintenant 4 exercices pour le bas du corps. Un en statique, puis 3 en dynamique. Donc je vous présente le statique classique. On va faire la belle chaise hein, qu'on aime bien. Là. On essaie d'être bien positionné. On laisse la tête. Et les bras le long du corps. Ok, première position. Ensuite, la deuxième. Donc du coup, on a 3 exercices en dynamique. On va faire simplement
le air squat. On va venir descendre, puis remonter. Ok. Ça, c'est la deuxième position. Troisième, la même chose en jump, squat jump. Squat, puis jump, je réceptionne en contrôlant. Ok, là, squat jump. Et enfin, la dernière position, on va faire des fentes avant et arrière. Je vais faire d'abord sur la jambe droite. Donc là, je viens bien descendre. Sur le long du corps, hop, je viens chercher derrière. Je viens chercher devant. Et je viens chercher derrière. Et du coup, je fais aussi la même chose du coup sur l'autre jambe. Ici, vers l'avant. Je pousse et je reviens vers l'arrière. Voilà pour nos quatre exercices du coup pour les jambes. Je vous présente du coup maintenant les quatre exercices du coup pour le haut du corps. Le premier, donc les deux se ressemblent. On va mettre les bras en croix de Jésus, les paumes vers le bas. On va faire des petits cercles vers l'intérieur. Plutôt vers l'avant 10 secondes, puis 10 secondes vers l'arrière. Ok, bien statique, on essaie de ne pas baisser les bras, ni trop les monter. On essaie d'être bien à la perpendiculaire. Donc, comme je vous ai dit, 10 secondes, paumes vers le bas, vers l'avant, 10 secondes vers l'arrière. Ensuite, on fait la même chose, des paumes vers le haut. Les paumes vers le haut, 10 secondes, des petits cercles vers l'avant, dynamique, et 10 secondes aussi des petits cercles vers l'arrière. Voici donc les deux. Ensuite, on a deux autres. Les pompes classiques, hop, on essaie du coup d'être bien positionné. On contrôle la descente, ça c'est pour toi Gérald. Donc je contrôle bien ma descente et j'essaie de pousser. Je vais vraiment pas la monter. On peut céder aussi des genoux pour ceux qui ont un peu plus de mal. Je fais une démonstration ici. Là, je viens descendre et je remonte. Ok. Maintenant, la quatrième, et la dernière étape, burpees, pour bien se finir. Donc je vais venir, je me mets presque en position squat. Je vais venir faire une flexion, poser mes mains, hop, je me mets en position pompe, je fais ma pompe, je ramène mes jambes et je viens faire un petit saut vers le haut. Je le fais en direct. Donc ça fait, je descends, je viens faire ma pompe, je reviens, je saute, je descends, je fais ma pompe, je reviens et je saute. Pour bien se finir pour les burpees. Alors voilà. Je vais vous expliquer du coup le dernier exercice. C'est très intense aussi. Je me sers d'une petite application, Chronosport. Pour pas faire de la pub. Nous, ce qui est génial dans l'application, c'est qu'on va servir des temps de récupération, qui sont indiqués sur l'application. C'est 30 secondes, 45, 1 minute, 1 minute 30, puis 3 minutes. On va servir de ces 5 temps. C'est beaucoup plus facile, ou alors forcément, on se sert d'une montre. Donc, l'exercice que je vais vous expliquer, on peut le faire. Moi, je vais vous le faire avec des pompes pour vous le démontrer, mais on peut le faire aussi avec des squats, avec tous les exercices possibles imaginables. Que je vous ai montré déjà auparavant. Donc là, moi, je vais vous faire avec des pompes. Ça va être très simple. Je vais faire 7 pompes. Derrière, je vais prendre 30 secondes de récupération. À la fin de mes 30 secondes de récupération, je refais 7 pompes, puis 45 secondes de récupération. 7 pompes, puis 1 minute de récupération. 7 pompes, 1 minute 30 de récupération. 7 pompes. Et à la fin, j'ai fini ma série. Je prends 3 minutes de récupération. Après, je fais la même chose en dégressif. Donc cette fois, c'est-à-dire que je vais faire 7 pompes. À nouveau, 1 minute 30 de récup, 7 pompes 1 minute, 7 pompes 45 secondes de récup, 7 pompes 30 secondes, puis 7 pompes et là j'aurai fini mon exercice. Vous verrez qu'à la fin normalement l'objectif c'est d'être carbo. La dernière série elle doit être difficile, intense. Si vraiment vous arrivez encore facilement à faire votre dernière série, rajoutez des nombres de répétitions. Et si au contraire c'est trop difficile, vous n'y arrivez pas à finir votre série, et bien dans ce cas-là, vous réduisez un peu le nombre de répétitions. Je vous fais une démonstration. C'est parti. Alors, je vais faire donc mes 7 pompes. Donc là, je vais commencer en classique et après, on pourra varier. Je déclenche tout de suite mes 30 secondes de récupération ici. À la fin de mes 30 secondes, c'est très important de respecter le temps de récupération. À la fin de mes 30 secondes, je repars tout de suite pour ma deuxième série. Alors, pourquoi pas varier un peu. Là, j'ai fait des pompes classiques. Je peux faire des pompes, pourquoi pas en diamant ou autre haute si j'en ai envie. Moi, je vais faire en diamant pour la prochaine série. On départ dans 10 secondes. Je me prépare. Hop. Donc là, j'ai mon petit compte à rebours qui m'aide. Et au début, hop. Je déclenche tout de suite hop, mes 45 secondes de récupération. À la fin de ces 45 secondes, je refais à nouveau 7. Puis 1 minute de récupération, puis 1 minute 30, si vous avez bien compris. Et après, je fais la même chose en dégressif. Bon, j'espère avoir été clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Je vous présente donc du coup l'exercice l'étoile, destiné donc aux enfants. L'exercice est plutôt simple, 5 balles, disposées plutôt donc comme sur un terrain réel, 8 mètres de large, 5 mètres de profondeur environ, avec la raquette au centre, l'objectif étant de récupérer les balles les unes après les autres et de les disposer dans la raquette. Il y a une petite technique pour aller plus vite, je ne vais pas vous la dire tout de suite, vous avez une semaine pour cogiter, faire de votre mieux,
Essayez de vous chronométrer et de battre votre record en essayant de faire du mieux possible. Je vous montre tout de suite. Alors, démonstration. Mon frère, il est prêt à déclencher le chronomètre dès que je pars. Attention, 3, 2, 1, stop. Je vous présente du coup le deuxième exercice pour les enfants, le zigzag. L'objectif, on part, donc du coup, on va partir vers l'avant. L'objectif étant de rester de face. On va faire un petit peu des cours sur le côté, on essaie de rester le plus de face possible par rapport à l'arrivée. Donc je vous donne les dimensions tout en faisant au ralenti, puis après je vous le ferai en temps réel. Donc il y a 3 mètres en course vers l'avant, jusqu'à la première balle ici. Là, la première balle, 3 mètres. Ensuite, 2 mètres pour aller jusqu'à là-bas en restant toujours de face. 2 mètres, puis à nouveau un sprint de 4 mètres vers l'avant. Je reste à nouveau de face, 2 mètres sur le côté, puis à nouveau un sprint de 3 mètres pour finir. L'objectif étant d'aller le plus vite possible. Je ne sais pas si vous arriverez à aller plus vite que moi, on verra. C'est bon, prêt à déclencher ? 3, 2, 1. Je vous présente l'exercice, le challenge commun. Petit, grand, moyen, on peut tous le faire. 3 balles, l'objectif c'est de faire 20 touches sur chaque balle. Avec à chaque fois un pied, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 20, puis je passe à la deuxième balle, puis à la troisième balle. L'objectif, on fait les 3 d'affilée en allant le plus vite possible. Je vous montre la démonstration. Je suis prêt. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vingt secondes. Est-ce que vous pouvez faire mieux ? On verra.